J'aimerais dire aux enfants du pasteur Masserou, soyez fiers du travail que votre mère a eu accompli. Et maintenant, vous devez perpétuer son nom. Vous devez permettre à ce que son nom, par sa fondation que vous allez créer, que vous allez gérer, reste à vie. Vous devez dire à votre père, papa, pour maman, continue de gagner des âmes. Continue de faire deux fois plus que ce que tu faisais. Parce que maintenant, tu travailles pour deux personnes. Qu'un être humain ne doit pas encaisser pendant 9 mois. Le corps de ma femme a été bloqué par la procédure judiciaire pour qu'on puisse faire une autopsie. L'autopsie faite, avec comme présence mon petit frère, et on découpe ma femme, bras, ventre, on coupe la tête, on enlève son cerveau, on regarde pour voir s'il n'y a pas eu un traumatisme, on regarde pour voir s'il n'y a pas des hématomes sur le corps, on vérifie tout. Ma belle famille qui voulait me détruire a envoyé un médecin comme témoin. Et moi, je ne pouvais qu'envoyer mon petit frère comme témoin. Et pendant que ça se passe, mon petit frère m'amène des SMS en pleurant, en disant, ils sont en train de décapiter ta femme. Je vois le départ de cette femme, maman Blanche. Je revis ses émotions et en me libérant, cela me fait énormément du bien. 2024 est une année maudite, est une année de la mort. Je vous demanderai à vous tous, où que vous soyez, sur le continent africain, européen, américain, asiatique, de vous réconcilier avec quelqu'un. Jésus et la Bible, elle dit, médite-la jour et nuit. Et c'est en cela que tu auras du bonheur. Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont même plus le temps d'ouvrir la Bible, mais qui ont le temps de passer 5 heures sur les réseaux sociaux, dans les Congossa et dans les Béré. J'ai vu depuis hier beaucoup de personnes faire des vidéos. Des vidéos souvent méchantes. Vous savez, quand un homme perd sa femme, la Bible n'a pas dit expliquer, ni juger. La Bible dit pleurer. Je rappelle une chose. La Bible n'a pas dit essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est décédé. La Bible ne l'a pas dit. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et la Bible va plus loin en disant, il est bon d'aller dans la maison de deuil que d'aller dans une maison festive. Car c'est dans la maison de deuil qu'on comprend l'importance de la vie. Le pasteur Marcel aujourd'hui est en train de traverser l'une des pires épreuves de sa vie. Et je me rappelle de l'une de ses prédications où il disait, je me demande comment ceux qui ont perdu un être cher font pour vivre. Ils ne vivent plus, ils survivent. Ces genres de douleurs, vous arrivez à les traverser quand vous avez votre église, votre communauté, votre famille, votre belle famille qui vient et qui vous disent, nous sommes avec toi. Mais quand arrive un certain moment donné, vous êtes victime d'accusations, de rumeurs. J'ai même vu certaines personnes dire dans leur vidéo que c'est parce que le pasteur Masserou disait dans ses délivrances, take it. Simplement, que Dieu a frappé sa femme. Vous voyez, si le Dieu que nous nous prions, après que nous ayons gagné des âmes, doit nous frapper en prenant notre femme, ce Dieu-là, je le renie. Parce que ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Le Dieu que moi je connais peut prendre ma femme pour m'éprouver, pour voir mon niveau d'amour que j'ai pour lui. Quand tu connais l'élévation, il faut retenir de façon claire, de façon systématique, tu vas traverser une épreuve, mais une épreuve que Dieu te fera traverser, dont il sait que tu as les capacités de traverser. Pasteur Masserou, par ma voix, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire vous présentent les condoléances les plus attristées. J'aimerais dire aux enfants du pasteur Masserou, ma femme m'a laissé 4 enfants. Mes enfants étaient très petits. Mes filles venaient d'être adolescentes entre 14 et 15 ans. Et c'était le meilleur moment pour elles d'avoir leur mère à côté pour leur montrer ce qu'on appelle la vie. Mais Dieu en a décidé autrement. Et mon épouse, tant aimée, est partie. J'ai encaissé beaucoup de choses qu'un être humain ne doit pas encaisser pendant 9 mois. Le corps de ma femme a été bloqué par la procédure judiciaire pour qu'on puisse faire une autopsie. L'autopsie faite,
avec comme présence mon petit frère. Et on découpe ma femme. Bras, bras, ventre. On coupe la tête. On enlève son cerveau. On regarde pour voir s'il n'y a pas eu un traumatisme. On regarde pour voir s'il n'y a pas des hématomes sur le corps. On vérifie tout. Ma belle famille qui voulait me détruire a envoyé un médecin comme témoin. Et moi, je ne pouvais qu'envoyer mon petit frère comme témoin. Et pendant que ça se passe, mon petit frère m'amène des SMS en pleurant, en disant, ils sont en train de décapiter ta femme. J'ai traversé toutes ces épreuves. À vous, j'aimerais vous dire une chose. Votre mère se retrouve dans un endroit où si vous fermez simplement vos yeux, que vous arrivez à la voir, vous allez sécher vos larmes. Si vous continuez de pleurer, c'est que vous ne croyez pas que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. On pleure parce que c'est la douleur d'un être cher qui part. Mais le monde où elle est allée, c'est un monde où il n'y a plus aucune souffrance. Où elle sera en train de dîner avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec l'apôtre Pierre. Elle verra Thomas, elle verra Marie. Elle mangera avec ces personnes. Quelle est la plus grande joie, le plus grand bonheur au monde que de vivre cela? Ne pleurez pas. Soyez fiers du travail que votre mère a eu accompli. Et maintenant, vous devez perpétuer son nom. Vous devez permettre à ce que son nom, par sa fondation que vous allez créer, que vous allez gérer, reste à vie. Vous devez dire à votre père, papa, pour maman, continue de gagner des âmes. Continue de faire deux fois plus que ce que tu faisais. Parce que maintenant, tu travailles pour deux personnes. Vous savez, à vous qui allez regarder cette vidéo, nous sommes dans une année qui n'est pas une bonne année. Je ne le dis pas pour vous effrayer parce qu'en début d'année, je l'ai dit, mais quand c'est Makoso, on veut toujours trouver des arguments pour dire « cet homme n'est pas de Dieu ». Pourtant, jusqu'à preuve de contraire, je ne crois pas avoir détruit la vie d'une seule personne. La perte de ma femme, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait le deuil. Parce que perdant ma femme, on m'a fermé ma bouche, on m'a frappé et on m'a dit « tu n'as pas le droit de pleurer parce que tu l'as tué ». Toute cette boule est restée en moi. Et quand je vois le départ de cette femme, maman Blanche, je revis ses émotions et en me libérant, cela me fait énormément du bien. 2024 est une année maudite, est une année de la mort. Je vous demanderai à vous tous, où que vous soyez, sur le continent africain, européen, américain, asiatique, de vous réconcilier avec quelqu'un. Jésus et la Bible, elle dit, médite-la jour et nuit. Et si en cela que tu auras du bonheur, combien de chrétiens aujourd'hui n'ont même plus le temps d'ouvrir la Bible, mais qui ont le temps de passer 5 heures sur les réseaux sociaux, dans les Congossa et dans les Bérets, dans les clashs. Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont plus le temps de mettre la louange, d'arrêter toutes les familles pour dire les enfants, venez ensemble, on va prier. Parce qu'on estime que non, les enfants sont devenus modernes, ce n'est pas de leur génération. Non, la Bible reste d'actualité. Et si vous n'instruisez pas vos enfants selon l'ordre du Seigneur, la mort frappera à votre porte. Lorsque la mort devait frapper en Égypte, Dieu dit aux enfants d'Israël, prenez le sang de l'agneau et mettez-le sur vos portes. Il est plus qu'important que les portes de nos vies soient imbibées du sang de l'agneau dans la prière. Parce que les temps sont mauvais. En début mars, le premier fils de ma mère, mon aîné, le premier fils de notre famille, mon grand frère, a perdu la vie en début mars. J'ai tellement été touché qu'aucune larme n'est sortie de mon corps jusqu'à aujourd'hui. Parce que je ne veux plus pleurer. J'en ai marre. Et j'aimerais le dire aux uns et aux autres. Réconciliez vos vies avec Jésus. Ce Jésus dont je vous parle, il est le seul capable de vous consoler dans les moments les plus difficiles. Surtout vous qui êtes au niveau de l'Europe. Lorsque vous étiez en Afrique, vous avez prié. Quand vous êtes arrivé en Europe, vous avez oublié Dieu. Réconciliez-vous avec lui. Réconciliez-vous avec lui. Parce qu'il n'est pas trop tard de faire marche arrière. En Turquie, j'ai failli perdre la vie. J'ai été entre la vie et la mort. Même Turquie, où Maman Blanche nous a quittés. Rentrant en France, j'ai encore été réhospitalisé.
pour un problème pulmonaire. Le médecin m'a dit, mais c'est un miracle que vous soyez en vie parce que vous deviez faire un AVC. Et je suis devant vous par la grâce de Dieu. J'aimerais prier maintenant pour tous ceux qui vont voir cette vidéo. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant. Restaure l'amour que nous avons pour toi. Le premier amour. Le premier zèle de notre foi, Seigneur Dieu. Je prie que tu puisses réveiller cette grâce, cette flamme dans la vie de chacun d'entre nous. Afin que ton nom seul qui est si fort, si puissant, soit jamais élevé. Je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Diversité de dons. Un seul esprit. Diversité de grâce pour un ministère qui est de gagner les âmes. Et nous appartenons tous au corps de Christ. Chacun d'entre nous a une spécificité dans l'art du ministère. Le général Kami Makoso ne ressemblera jamais au révérend Marcelo et ne pourra jamais faire comme lui parce qu'il a reçu un message de réconciliation entre le fils et le père. J'ai reçu un message d'aller comme un guerrier au milieu des loups, des voyous, des délinquants pour les gagner. Raison pour laquelle j'adapte ma stratégie à leur contexte. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, si j'ai été fort avec les forts pour gagner les forts et faible avec les faibles pour gagner les faibles. Le samedi 15 juin, ce samedi, à partir de 10h, si vous vivez sur le continent européen et si vous êtes au niveau de la France, je vous donne un seul rendez-vous avec pour thème, le sorcier doit mourir. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. L'adresse, c'est 22 rue Pierre Grange, Fontenay-sous. Maman Ruth, vous sentez le tabac? Chez maman Hélène qui soigne. Partout aux aranames Hélène. On a Savini. Oh wapi. Oh qui pose au lia. Du tabac fraîche boué. On goule. Démarrer voiture. Malamoro. Et pas maman Hélène qui soigne. Au lia, elle a assuré. La prime qui est au lia qui toque. T'as la banane au lia, t'as beau. Ça tient. Pas tombe en même temps. Aux lia. Propriété maramoutou qui toque. Maman Hélène, je suis ma soeur qui a été en train de se faire. Après la service traiteur, on a fait une cérémonie, mon peu importe, baptême, nuance. Aza service traiteur, mon coup. Vous avez un grand coup, non? Vous avez un bon coup, vous avez un bon coup. Maman! 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 C'est quoi nous l'avons? C'est quoi nous l'avons? C'est quoi la coquille, en plus, il y a aussi un kangi, un batamelin, un savini, tout ce qui est à faire. Je vais vous contacter à 07 53 82 87 72. Chez ma mère Hélène qui souhaite, je suis à Damarie Lélis, 456 avenue du colonel Fabien. Référence Nabiche Zali, Renault Mosquée. Nazar, okay. Tout près à gare, 12 minutes dans ma colotte. D'accord. Gare à Melin. Tu as un restaurant, ma belle. Tu as un restaurant. 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 Donc, à partir de 70 euros, tu as un restaurant. Voilà, il y a combien de choses au lit en tout cas? Chez maman, elle qui suit mon mari. Restaurant Paradis Secret. Restaurant aux spécialités africaines. En pleine région parisienne. Chez Chiquito Papa Paradis. Au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie. 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Ici. Non, on finesse aux médias. Toujours. Ouais. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou
paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant paradis secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga, dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Dans la cuisine, ma maman, il y a valeur, ma maman kilo. Mais c'est bien, on a cuisine, il y a propre, il faut que la maison soit propre et à qualité. Quand je vois pour la qualité, ma casse est bien. Et ça, c'est une adresse moko. Pour contacter la maison Zoé. Précisez les rapports à aider le numéro de la maison Zoé. Et ça, la maison Zoé a un. Bah, les gens qui ont dit que la Vatican, il y a tout pour la marque. À zapper dans la salle en porcelaine. Bonne qualité en tout cas. Moi, je vais vous donner la cuisine à ma poule. Je dis, le oignon sort. Elle a pris mon goût. Donc, il a invité pour pas me battre. On a porté la maison, on a la chair, tout ce que tu as. Mais avec la maison, je vais aller côté, puis je vais côté ma maman, on va aller dans la colonne, on va aller le coin, on va aller bien. Pour moi, si je suis là, Moi, si je suis là. Donc, vous contactez Maison Zoé. La Maison Zoé, en tout cas, n'invite rien à dire. Côté Banzoum, à Kalima Solo, on a partout. Et tout ça, on appelle livraison. On en a Belgique, en Suisse, partout en France. Et comment nous la qualité de l'eau dans la tienne, mon nom. Il y en a l'eau. On a dans la couleur peut ébélé. Dans la bleue, dans la rouge, dans la noire, mais il y en a l'eau. Mon nom. Il y a 4 en Zoom. La 3 par calou boué. Donc, contactez la maison Zoé. Tout le monde qui a besoin de casseroles en très très bonne qualité, contactez la maison Zoé. Après, maman kilo, maman va venir rouler la papa va la maman et quoi tout au fond, va tout le monde faire tout au fond. Déjà, les petits kilos, après, c'est qui commande, mais déjà, le truc de la lame et la momie à tout bien. En tout cas, après, c'est commande, mais vous pouvez hésiter de contacter la maison Zoé. Numéro 1, vous avez un téléphone rapide, opérationnel. La maison Zoé.